funerale russo, in occasione del mondo scenevale, più pratiche scenevale, e se non sarebbe non sarà la parola, cioè le pratiche del langage sur la liste de la più concrète, c'è un peu la même. Parce que là, il y a un problème que vous avez normalement tous les étudiants. C'est 1983, 4 ans donc après avoir commencé la photographie. Cette année-là, on dit la rencontre d'un homme que vous connaissez tous, en fait, tous les étudiants du pavillon populaire, de nouveau, vous connaissez. Sous les explosions avec le pavillon populaire, il y a un an et demi. Qu'est-ce que vous avez vu ici la dernière fois? Vous avez vu Ralph Gibson. Vous vous souvenez de Ralph Gibson, la trilogie, les trois livres, les trois livres, les plus, dans un homme de risque, déjà vu. Cette trilogie de Ralph Gibson, ce photographe surréaliste, qui est Ralph Gibson, on l'avait évoqué à ce moment-là, en 1983, il le rencontre pour un projet absolument pour le surréaliste. En 1983, on dit ça, c'est ici, de faire un livre avec les photos qu'il a prises du groupe de la période, de venir en quelque sorte en entour. Ça va prendre deux minutes. Un premier, vous avez écrit a changé d'appareil photo, a abandonné son Nikon FE, acheté en 1999, au profit d'un Leica. Ce qui veut dire qu'à partir de 1983-1984, toutes les photos que vous avez vues, que vous verrez dans la liste, au niveau des dates, avant 1983, c'est le Nikon FE, après 1983, c'est le Leica. Au point d'avoir un stade, tout est étrange. Ceux qui font parmi vous la photographie, je vous invite à le tenter, c'est assez surprenant. Tout est matin, comme les élèves, la première chose. Sur un bloc-notes, il fait la liste des photos qu'il veut prendre dans la journée en écrivant. Il imagine tous les matins les photos qu'il va faire dans la journée. Il les écrit, il les décrit. C'est une manière qu'il ne fait que les photos qu'il a imaginées. Et c'est une manière qu'il fait toutes les photos qu'il a imaginées. C'est ce qui est dans ce stade-là où la photographie désormais, elle n'est plus un instantané. On est en vivant, c'est plus simple. Elle est dans les photographies distanciées. Comment, en photographiant le réel, faire une image surréaliste? À cette question, vous vous souvenez toutes et tous de la réponse de Ralph Gibson. On ne peut pas. On ne peut pas. La photographie, photographiant la réalité, on ne peut pas produire une image surréaliste. On produit une image réaliste. Si on accepte le trafic photographe, la première côté, la manipulation du monde. Et l'intuition de Gibson, c'est que deux photographies réalistes mises en rapport permettent l'émergence de troisième sens qu'aucune des deux photographies ne possède. Et ainsi, ce sens-là peut devenir un sens réaliste. On avait évoqué à ce moment-là la question poétique, vous vous souvenez? Lorsqu'on lit un poème, nous savons tous que le sens du vers, ce n'est pas la somme du sens de chacun des mots. Le sens du vers est plus large que et plus puissant. Le sens de chacun des capteurs.